Bonjour, chers élèves. Au cours des deux séances précédentes, on a commencé le premier chapitre, les échanges internationaux de biens et services, et leur évolution, où on a identifié le commerce ou, les échanges, ou bien les, le commerce extérieur ou bien les échanges internationaux, mais aussi on a calculé et interprété les indicateurs du commerce extérieur. Nous allons passer aujourd'hui à la deuxième et la dernière section de ce premier chapitre, à savoir l'essor des échanges internationaux de biens et services. Notre objectif consiste à constater l'ouverture croissante des économies. Alors, on va commencer par l'exploitation de l'activité 3, page 213. On vous demande dans la première question de dégager la formule du degré d'ouverture de l'économie mondiale et par la suite de comparer l'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial. On va commencer par la première question, c'est-à-dire on va dégager la formule du degré d'ouverture de l'économie mondiale. Donc, on va faire la lecture du paragraphe suivant. Intitulé donc l'essor du commerce mondial et croissance économique. La croissance des exportations mondiales sur la période 1970-2001 montre que le commerce mondial a cru augmenter ces dernières décennies beaucoup plus vite que la richesse mondiale. On s'arrête à ce niveau pour expliquer le terme commerce mondial et richesse mondiale. Le commerce mondial est mesuré par les exportations mondiales ou les importations mondiales. Quant à la richesse mondiale, elle est mesurée par le PIB mondial. Revenons à l'activité. Les échanges se sont donc intensifiés et le degré d'ouverture au commerce de l'économie mondiale a augmenté. Les échanges mondiaux représentent 10 à 12% de la richesse mondiale à la fin des années 60 contre 24% au début des années 2000. Ma question est la suivante. Quelle est la signification de la valeur encerclée Si je reprends la phrase du texte, les échanges mondiaux représentent... 24% de la richesse mondiale au début des années 2000. Donc il s'agit bien d'une part en pourcentage, c'est-à-dire 24% représente la part en pourcentage de quoi Des exportations mondiales ou importations mondiales. Donc quoi Dans le PIB mondial au début des années 2000. Par conséquent, la formule utilisé pour le calculer est X mondial T sur PB mondial T fois 100 il s'agit bien de la formule du taux d'ouverture de l'économie mondiale au début des années 2000 à par quoi s'explique la hausse du taux d'ouverture de l'économie mondiale entre ces deux périodes la réponse est explicite dans ce passage pourquoi Parce que les échanges mondiaux ont passé de 10 à 12 en, euh, à la fin des années 60 à 24 au début des années 2000. La réponse à cette question est explicite dans la phrase entre les deux crochets. Le commerce mondial a cru ces dernières décennies beaucoup plus vite que la richesse mondiale. Ce qui montre que les exportations mondiales ont augmenté plus vite que le PIB mondial et par conséquent, on aura une augmentation du taux d'ouverture de l'économie mondiale. Donc, le taux d'ouverture de l'économie mondiale a augmenté. Pourquoi Parce qu'il y a une progression plus rapide des exportations mondiales que le PIB mondial entre 1960 et le début des années 2000. De façon générale, la formule du taux d'ouverture de l'économie mondiale est égale, X mondial sur PB mondial fois 100. Faites attention, il ne faut pas confondre taux d'ouverture de l'économie mondiale et taux d'effort à l'exportation d'un pays. Le premier, c'est-à-dire le taux d'ouverture de l'économie mondiale, est relatif à l'ensemble des économies mondiales, tandis que le taux d'effort est relatif à un seul pays. Quel est l'intérêt de cet indicateur C'est simple, c'est un indicateur qui mesure le degré d'ouverture au commerce des économies. Par conséquent, une progression des exportations mondiales plus vite que la production mondiale reflète une plus grande ouverture des économies les unes envers les autres et donc un essor remarquable des échanges internationaux. Nous allons revenir à la même activité, c'est-à-dire l'activité 3, page 213, pour répondre à la deuxième question qui consiste à comparer l'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial. Vous êtes en présence de deux consignes. La première, c'est de faire une comparaison, c'est-à-dire de relever les points de différence. Et les points de ressemblance. On va comparer quoi L'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial, c'est-à-dire on va comparer les taux de croissance de ces deux indicateurs. Je reviens au titre de ce graphique croissance du PIB et du commerce mondial. Donc les deux courbes que vous voyez en noir et en couleur, représentent les TCA du PIB mondial et du commerce mondial. En noir, les TCA du commerce mondial et en couleur, les TCA du PIB mondial. Donc, la comparaison, comme je viens de le, de le préciser, consiste à relever les points de différence et les points de ressemblance entre ces TCA. À L'exception de la période 1900, de l'année 1982 où le TCA est négatif, vous constatez que les deux courbes sont situées au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que les TCA sont positifs. Ce qui nous amène à conclure qu'entre 1976-70 et 2000, il y a une augmentation du PIB mondial mais aussi du commerce mondial, puisque comme je viens de le dire, les TCA sont positifs. Les TCA du commerce mondial et ceux du PIB mondial sont positifs. Donc il y a augmentation du PIB mondial et aussi du commerce mondial. C'est le point de ressemblance. Si on va passer au point de différence, les TCA du commerce mondial sont supérieurs à ceux du PIB mondial. La courbe en noir, c'est-à-dire la courbe qui retrace les TCA du commerce mondial, est située au-dessus de la courbe de TCA, des TCA du PIB mondial. Donc les TCA du commerce mondial, du commerce mondial sont supérieurs aux TCA du PIB mondial, à l'exception de certaines périodes 1982, 1983 et 85, où les TCA du commerce mondial sont inférieurs aux TCA du PIB mondial. Si je résume, point de ressemblance, entre 1970 et 2000, le PIB et le commerce mondial ont enregistré une augmentation, puisque les TCA sont positifs, bien sûr à l'exception de 1982 où le TCA est négatif. Le point de différence, le commerce mondial a augmenté plus vite que le PIB mondial entre 1970 et 2000. Donc, plus grande ouverture des économies et un essor remarquable du commerce mondial. Nous allons passer à l'activité 4, page 213. Vous êtes en présence d'un diagramme en barre. Le titre Croissance du commerce mondial et du PIB mondial entre 1995 et 2005. Donc, chaque bande ou bien barre représente le TCA. Les bandes foncées, les TCA du commerce mondial, et les bandes plus claires représentent les TCA du PIB mondial. Vous constatez que les bandes... Plus foncées, c'est-à-dire les bandes qui décrivent les TCA du PIB du commerce mondial, sont plus élevées que les bandes de, des TCA du PIB mondial. par conséquent, le commerce mondial a eu tendance à croître plus vite que le PIB mondial. La première question vous demande de caractériser l'évolution des deux variables, c'est-à-dire du PIB mondial et du commerce mondial, en 2000. Puis en 2001, ce n'est pas entre en 2000 et en 2001, c'est-à-dire chaque année à part. Et la deuxième question vous demande de faire la comparaison de la croissance moyenne des exportations mondiales et du PIB mondial sur la période 1995 et 2005. On va commencer par la première question. La bande la plus élevée, donc ça correspond, comme je viens de le préciser, au taux de croissance du commerce mondial en 2000, et c'est le taux de croissance le plus élevé depuis 1995 jusqu'à 2005. C'est presque 10,5%. Donc en 2000, les deux bandes sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc les TCA sont positifs. Nécessairement, il y a augmentation du PIB mondial, mais également du commerce mondial en 2000, c'est-à-dire entre 1999 et 2000, puisque le TCA mesure l'évolution en une année. Mais toujours, la croissance de, du commerce mondial est nettement supérieure à celle du PIB mondial. Quant à l'année 2001, et pour la première fois entre 1995 et euh, 2005, la, le TCA du commerce mondial est négatif, puisque la bande est en dessous de l'axe de, de des abscisses. Donc il y a une baisse du commerce mondial. Par contre, le PIB mondial a augmenté, puisque la bande est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, en l'an 2000... Le PIB mondial ainsi que les exportations mondiales de marchandises ont enregistré une augmentation puisque, comme je viens de le dire, il y a les deux TCA sont positifs. La hausse des exportations mondiales est plus importante que celle du PIB mondial. Donc, le TCA du, des exportations mondiales de marchandises euh, sont plus élevés ou bien supérieurs au TCA du PIB mondial. En 2001, le PIB mondial a augmenté, alors que les exportations mondiales de marchandises ont enregistré une baisse puisque le TCA est négatif. On va passer à la deuxième question, qui consiste à comparer la croissance moyenne des exportations. Donc il s'agit de la croissance moyenne, c'est-à-dire on va comparer les taux de croissance annuels moyens. Où se trouve dans ce graphique C'est simple. Les, lignes, les deux lignes en rouge pointillées représentent les TCAM. En haut, la, le TCAM de, des exportations mondiales de marchandises au cours de la période 1995-2005. Et la ligne en bas représente le taux de croissance annuel moyen du PIB mondial sur la même période. D'ailleurs, c'est clair que le TCAM des exportations mondiales de marchandises, est supérieur au TCAM des, du PIB mondial sur la même période. Donc, comparer comme d'habitude, point de ressemblance, mais aussi point de différence. Alors, il y a entre 1995 et 2005, il y a une augmentation annuelle moyenne du PIB mondial, mais aussi. Des exportations mondiales. C'est le point commun. Par contre, le point différent, c'est que le TCAM du PIB mondial est inférieur au TCAM du commerce mondial. Par conséquent, les exportations mondiales de marchandises ont augmenté en moyenne chaque année plus vite que le PIB mondial au cours de la période 1995 et 2005. Et c'est le point de différence. Voilà. En haut et en bas, c'est la courbe des TCAM du PIB. La réponse rédigée, point de ressemblance. Sur la période 1995 et 2005, il y a une augmentation annuelle moyenne du PIB mondial et des exportations mondiales, puisque les deux taux TCAM sont positifs. Par contre, le point de différence, le TCM du PIB mondial est supérieur au TCM des exportations mondiales de marchandises. Alors, on dira la chose suivante. Sur la période 1995 et 2005, les exportations mondiales de marchandises ont tendance à augmenter en moyenne. Et chaque année, plus vite que le PIB mondial. La conclusion il y a une plus grande ouverture des économies et un essor remarquable du commerce mondial, puisque les, les exportations mondiales ont tendance à croître plus vite que le PIB mondial. Comme synthèse, depuis le 19e siècle, le commerce mondial a eu tendance à croître plus vite que, le PIB, que la richesse mondiale ou bien le PIB mondial. Donc, il y a intensification des échanges entre les pays et par conséquent, hausse du taux d'ouverture de l'économie mondiale, caractéristique d'un essor remarquable du commerce mondial. On va passer à une activité d'évaluation en utilisant les statistiques relatives à l'économie mondiale, évolution du PIB et des exportations au niveau mondial. L'unité, c'est le milliard de dollars courants. Donc, vous avez deux indicateurs, X mondial en bleu, et le PIB mondial, l'autre couleur. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette activité Tout d'abord, d'identifier l'indicateur A du tableau, c'est-à-dire exportation mondiale en pourcentage du PIB mondial, puis de compléter les valeurs manquantes, et enfin, de décrire et justifier l'évolution du taux d'ouverture de l'économie mondiale entre 2009 et 2017. Nous allons passer à l'identification de l'indicateur A. Voilà. Donc, exportation mondiale en pourcentage du PIB mondial, ça représente bien le taux d'ouverture de l'économie mondiale, obtenu en faisant le rapport entre la valeur des exportations mondiales et la valeur du PIB mondial fois 100. Ça, concernant l'identification. Passons maintenant au calcul. On va calculer le taux d'ouverture en 2017, X mondial 2017 sur PIB mondial 2017, comme vous le voyez sur le graphique. Donc, 22 919, c'est la valeur des exportations mondiales, sur 78, 78 c'est la valeur du PIB mondial en 2017 vous allez obtenir le résultat suivant, 29,35%. Si on l'interprète, c'est simple, on dit que les exportations mondiales représentent 29,35% du PIB mondial en 2017. L'autre indicateur, c'est le taux de croissance des exportations mondiales. Pourquoi taux de croissance global Parce que la période est supérieure à un an. À quoi est égale la formule Valeur des exportations mondiales en 2017 moins valeur des exportations mondiales en 2009 sur valeur des exportations mondiales en 2009 fois 100. Alors, les chiffres. 22 919 moins 15 891 sur 15 891 fois 100 vous obtenez 44,22%. C'est un taux positif. Cela signifie que les exportations mondiales ont globalement augmenté de 44,22% entre 2009 et 2017. Il nous reste à calculer le TCG du PB mondial. La formule, comme la précédente, mais on change de variable. PB mondial 2017 moins PB mondial 2009 sur PB mondial 2009 fois 100. Donc l'application numérique 78078 78, moins 59980 sur 59980 vous obtenez... Le résultat, c'est 30,17%. La même chose, c'est un taux positif. Cela signifie que le PIB mondial a globalement augmenté de 30,17% entre 2009 et 2017. On va donc passer à la troisième question où on vous demande de faire une description, mais aussi une justification de l'évolution du taux d'ouverture. Si, comme vous le constatez, le taux d'ouverture de l'économie mondiale a passé de 26,49% en 2009 à 29,35%, donc il a enregistré une hausse de 2,86 presque points. Voilà. 2,86 points. Voilà. Donc... En 2017, les économies nationales sont de plus en plus ouvertes aux échanges extérieurs. La justification, vous le savez donc, pourquoi Parce que le TCG des exportations mondiales est supérieur au TCG des, du, du PIB mondial. C'est-à-dire que les exportations mondiales ont tendance à croître globalement plus vite que le PIB mondial. Et. Cela signifie que les économies sont de plus en plus ouvertes, c'est-à-dire que les économies en 2017 sont plus ouvertes qu'en 2009. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette séance. Au revoir.